La transition sera fixée après la concertation. Le peuple de Guinée va décider le sort de ce pays, choisir un calendrier pour suivre le processus de la transition. À la fin, les autorités vont mettre les décisions en place pour organiser une élection, mais pas la CEDEAO de nous dicter les lois. 6 mois pour une élection, c'est pas possible. Oui, c'est pas du tout possible. On ne peut pas organiser une élection dans 6 mois. Et imaginez, la Guinée vient d'une élection. Et on sait très bien comment les élections se passent en Guinée. D'abord, il faut passer à la réconciliation des Guinéens. Voilà. Pensez d'abord à la réconciliation des Guinéens pour que les Guinéens se sentent d'abord Guinéens. Qu'on conjugue les mêmes verbes afin de décider le sort de la gestion de notre pays. D'abord, les institutions mises en place doivent être pilotées par les institutions. Il faudrait que ces institutions soient fortes pour prendre les préoccupations des Guinéens et non les préoccupations des politiques. Voilà. Tandis que la CEDEAO ne sert que les politiques et non le peuple de Guinée. Très bien. C'est pour cette raison que le peuple de Guinée est souverain. Nous sommes mobilisés aujourd'hui pour leur dire non à leur calendrier, non à la CEDEAO. Et on a même dit zéro à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a jamais résolu les problèmes de l'Afrique de l'Ouest.